inquiète donc ces dernières 24 heures, 306 nouveaux décès. Coucou! Comment ça va ma chérie? Ça va et toi? C'était? Alors non, pardon. Hein? Pardon. Merci hein. Bah ouais, j'en pouvais plus. C'était toute seule comme ça, à tourner en rond dans mon appart, c'était un cauchemar. Tu seras tellement mieux à la maison, tu sais. Je veux bien que tu mettes ton masque. Pardon. Mais tu sais, j'ai fait le test hier, hein. C'est bon, t'inquiète pas. Non mais je sais. Alors, attends, juste, hop. C'est bien. Un peu de gel. Tiens. Merci. Il y a 4410 personnes en réanimation aujourd'hui sur une capacité à peu près annoncée de stimuli. Ça monte donc en réanimation. Et puis... Ne l'embrasse pas. Avec le coude alors? Avec le coude. Ta mère a été malade. Quoi? C'est vrai maman? Mais non, j'ai rien eu. C'est ton père. Mais arrête de dire que tu n'as rien eu. Elle a été positive, donc contaminante, donc un danger pour les plus fragiles. Ah merde alors. T'as faim? Oui. On passe à table ma chérie. Oh, ça me fait plaisir de te voir. C'est trop bon. Merci. Ça va, vous deux? Oui. C'était pas trop dur, le confinement? Non. Je comprends pas les gens qui se plaignent tout le temps. C'est pour sauver des vies, c'est pas compliqué. Pour moi, c'était un peu compliqué. Je déprimais complètement toute seule à Paris. Non. Ah, d'accord. Si ça peut servir à quelque chose. Pas médecin, mais bon. Mais je préfère quand même suivre les recommandations des spécialistes. Et même si parfois ça peut paraître difficile, c'est juste un mauvais moment à passer, c'est tout. Oui. Oui, faut se dire que bah, tout ça, ça va bien se finir un jour. Mmh. Ou jamais. Parce que les gens sont tellement égoïstes aussi. Ils viennent se faire soigner pour des tout petits bobos alors que les services hospitaliers sont déjà débordés. C'est n'importe quoi. Hein. Mmh. Moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Hein. Le dentiste, le cardiologue... Quoi? Mais attends, papa, t'as fait une crise cardiaque il y a pas très longtemps, et c'est pas parce que... Et quoi? Je prends mon traitement, c'est bon. Y'a rien à craindre, hein, t'inquiète pas. Bon, si tu le dis. Et puis, l'air de la campagne, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, je pense qu'on retournera pas à Paris. Hein. Ah bon? Non. On va vendre l'appartement pour rester ici. Moi, en télétravail et... De toute façon, ta mère, de toute façon, peu de chance qu'elle retrouve du boulot. Hein. Non, on est déjà un peu à la retraite, quoi. Heureusement que papa prend ça à la rigolade. Et ça vous dirait si demain on se faisait une promenade? Et tu voudrais aller où? Eh ben, j'aimerais retourner près de l'arbre magique. Vous vous souvenez? Bien sûr. À cette période de l'année, il y avait toujours des petites fleurs violettes tout autour. Par contre, cette année, je sais pas s'il y aura des fleurs violettes. Tu te souviens, papa? Mais bien sûr. L'arbre magique. On disait qu'il avait le pouvoir d'exaucer tous nos vœux. Oui. On fait ça demain? Parce qu'après, j'ai vu, il pleut tout le temps. Alors, demain, ok, mais pas le matin.
Le matin, on doit se faire dépister avec maman. Mais l'après-midi, ok, pas de problème. cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Au cours des 24 dernières heures, 478 nouveaux patients. Allez, papa! C'est la chaîne. Bah écoute, tu vas prendre mon vélo. Mais non. Mais si. Bon, on va rentrer, voilà. Mais non, mais allez-y tous les deux. En amoureux. Et puis vous me ramenez des petites fleurs violettes. S'il vous plaît, allez. Moi je vais rentrer, hein, vous inquiétez pas. Ça va le faire. Hop. Allez, à tout à l'heure, hein. Ouais, mais t'es prudente, hein, parce que... Mais oui, t'inquiète. Ça descend quand même, hein. Je viens de recevoir tes résultats, tu es positive. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Mais j'ai rien fait. Je reste enfermée là, tout le temps. C'est pas possible. Tu mens. Je t'assure que non. T'approche pas, recule. Mets ton masque. Il va falloir recommencer. Hein. Je suis désolé, mais c'est obligé. Hein. Mais Amélie... Mais Amélie, elle va comprendre, Amélie. Elle comprendra rien du tout. Elle comprendra que son père, il enferme sa mère comme une pestiférée. T'approche pas, remets ton masque. Je me barre. Non. Tu restes ici, je te le passerai. Laisse-moi. Tu vas rester enfermée. Laisse-moi. Tu vas rester enfermée. Ah. Tu veux me contaminer, c'est ça, hein? Ça pourrait te faire crever. Ordure. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je me sens pas bien. Je capte plus. J'appelle les secours. Valérie. J'ai préparé le repas. Super. Papa est pas avec toi? Non.
T'as pas mes violettes? Non. Il n'y en avait plus au pied de l'arbre? En fait, j'y suis pas allée. Parce que... parce qu'avec ton père, on s'est perdu. On allait par-ci, par-là, enfin bon... Alors, il est parti tout seul. Et moi, j'ai été au village faire les courses. Pourtant, c'est pas compliqué pour y aller. Je vais mettre tout ça au congélo parce que j'ai peur que ce soit perdu. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il s'est perdu ou quoi? J'appelle et ça répond pas. C'est bizarre. On mange peut-être, non? J'ai faim. J'ai très très faim. Bah, on n'attend pas papa? Non. Il va arriver. Non mais c'est bizarre qu'ils répondent pas. C'est bizarre. Très bizarre. Je suis perdue. Tu commences pas? Là, il y a son vélo. Il la tenait très fort dans sa main quand je l'ai vu au pied de l'arbre. Tu crois qu'il était en train de faire un vœu quand c'est arrivé? Je sais pas. J'étais là quand ton père est mort. J'ai rien fait pour le sauver. J'ai juste attendu qu'il meure. Ton père était devenu fou. C'est le Covid qui l'a rendu fou. Il ne pensait plus qu'à une chose. Ne pas être contaminé. Il m'a enfermée pendant 3 semaines parce que j'étais positive. Et il allait recommencer. Je suis heureuse qu'il soit mort. Tu n'as pas eu le temps de voir comment il était devenu. Je suis heureuse que tu gardes en mémoire le père que tu as connu et que tu as aimé. Merci. Tu
crois qu'il y a une vie après la mort? Papa, il croyait pas en Dieu. Tu crois qu'il nous voit là où il est maintenant? Je sais pas. Regarde, ça tombe du plafond. Il doit y avoir une tuile qui a bougé. J'appelle le couvreur demain. Bisous, bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah, c'est ce con de couvreur, il veut pas venir, il a peur du Covid. Il va se remettre à pleuvoir. Tu veux pas aller me chercher quelque chose pour que je cale la bâche? Mais quoi? Je sais pas, mais quelque chose de lourd, parce que là, avec le vent, il y a tout qui se barre. J'y vais. Fais attention, hein, à toi. Je vous ai fait peur, excusez-moi. Non, c'est... Vous inquiétez pas, c'est moi, c'est moi. Je suis la boulangère, vous m'avez reconnue. Oui, bien sûr. J'ai appris la mort de votre mari, je voulais vous présenter mes condoléances. Merci. C'est gentil. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, vous savez où me trouver. Oui. Oui, bien sûr. Tu trouves, maman? Oui, 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 j'arrive, Amélie, 30 secondes. Bon, mais je vous laisse. Au revoir. J'ai trouvé ça. Tiens. Bah, tu vois, mon petit papa, t'aurais fait ça tellement mieux que moi. C'est de ma faute si t'es mort. J'aurais jamais dû te demander d'aller me chercher des violettes. C'est quoi? Une table Ouija. C'est pour communiquer avec les morts. C'est à la boulangère, elle m'a tout expliqué. Papa, si tu es là, dis-le nous.
S'il te plaît, papa, si tu es là, fais-nous signe. Tu me pardonnes. C'est moi qui t'ai demandé d'aller me chercher des petites fleurs violettes. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Pas dit au revoir. Quoi ? À la table Ouija, on n'a pas dit au revoir. Et il faut toujours dire au revoir. C'est pas grave, mon chéri. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive ? Je sais pas. Il fait froid. Il y a Bérangère qui viendra ce soir. C'est qui Bérangère ? Bah, tu sais, la boulangère. Ah ! Elle veut assister à une de nos séances. Mais pourquoi ? Bah, on peut pas lui refuser ça. C'est grâce à elle qu'on a pu rentrer en communication avec papa. Oui. C'est très gentil de m'avoir accepté. Papa, si tu es là, dis-le-nous. S'il te plaît, papa, si tu es là, fais-nous signe. Levez votre doigt. Pourquoi ? Parce que ça marche pas avec vous. Si vous voulez. Papa, est-ce que tu es là ? Vous avez vu ? Il est là.
papa. Acceptes-tu la présence de Bérangère parmi nous? Ça m'aurait étonnée. Il faut pas plaisanter avec les morts, vous savez. Pourquoi vous dites ça? On plaisante pas du tout. À vous, non. Mais votre mère, si. Je comprends pas. Mais c'est elle qui fait bouger la goutte. Non, mais pourquoi elle ferait ça? Ben, je sais pas. C'est à elle qu'il faut demander. Maman? Tu dis rien? C'est vrai? Mais comment t'as pu faire ça? Amélie! Je suis désolée.